Putain, on en a pour des heures, merde! Non mais ça me rend fou quoi, j'ai jamais vu ça. Chut, calme-toi. Oh, tout va bien. Non, tout va pas bien, t'as vu ce merdier de merde. Chut, voilà. Hein, tu dois trouver ton équilibre. On est tous ensemble, pourquoi tu vis tout comme une agression? Personne t'agresse. Bah oui, c'est ça, mouille-moi la gueule. Putain, mais t'as vu ça, le gars il m'asperge. Rafraîchissement offert par la maison. T'as drampé ma chemise, connard. Ouh, tu es tendu, toi. Moi, je suis tendu. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Je te débarrasse des mauvaises énergies. Merci, j'apprécie que tu te soucies de mon bien-être, mais est-ce qu'à la place de profiter du fait qu'on soit bloqué dans un embouteillage pour me faire des attouchements sexuels, tu pourrais pas nous débarrasser de ces putains de voitures qui nous empêchent d'avancer là? Confucius a écrit, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. T'es gentil, mais Confucius, c'est un suppôt Satan, il a jamais été bloqué à Satarnou. Quel enfer, 8,50€ la boute. T'es qui toi? Ah, je me suis gouré de voiture. Bah oui, t'excuses pas, enculé! Qu'est-ce que tu fais? Massage. Non, tu vas pas me faire un... Allez, déshabille-toi. Oh, connard! Tu balances pas tes déchets par la fenêtre! Ouais, ça va! Bah non, ça va pas, je me fous dans le cul, moi, ta banane! Ça a rien de s'énerver. Waouh, c'était mon épisode de Cocovade préféré. Il m'a vraiment fait réfléchir à profiter du moment présent. Si toi aussi tu fais la morale aux gens qui perdent leur sang-froid, tu peux partager cette vidéo. Sinon, abonne-toi à la chaîne Cocovade, on publie 2 épisodes par semaine.